Yo les amis, c'est Kekso, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve avec une équipe sans coiffeur. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement je vais vous montrer un exemple tout de suite. Regardez lui par exemple, on dirait qu'il a un palmier dessus la tête. Je sais pas ce qui se passe par la tête, enfin si des cheveux hein. Oh excellent, on retient ça. Non mais sérieusement, comment on peut faire une coupe de ce genre? Donc les gars, pour cette vidéo j'aimerais bien un minimum de 25 likes pour ce concept original qui est, je pense, jamais fait dessus FIFA Ultimate Team 16. Donc les gars, 25 likes, je compte sur vous. J'ai trouvé un membre des Jackson 5, regardez les mecs. Ce mec est jamais allé chez le coiffeur. On peut se le dire ça comme ça, vu que regardez sa touffe qu'il a dessus la tête, c'est incroyable. Ensuite, un mec a mis de la mayonnaise dessus ses cheveux, je n'ai pas compris pourquoi. C'est lui, regardez, il a du jaune dessus ses cheveux. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé par là. Ensuite, un mec qui ressemble à un extraterrestre, c'est lui. Je n'ai rien à dire sur lui, à part que c'est extrêmement moche. Je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de Coréens qui ont une coupe comme ça. Je sais pas pourquoi ils font ça, parce que c'est vraiment moche. Ensuite, un fail de Photoshop, c'est lui. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, j'ai l'impression que ses cheveux ne vont pas avec son visage. Voilà pourquoi. Ensuite, un mec que je pense que vous connaissez si vous jouez avec des MLS. Ce mec est très rapide, mais par contre, sa coupe de cheveux est vraiment moche. C'est lui, Oduro, 94 de vitesse, mais par contre, ses cheveux, hein, c'est horrible. Je sais pas, je sais pas qu'est-ce qu'il a voulu faire. Je crois savoir. Je crois qu'il a voulu faire les couleurs de son drapeau, le drapeau du Ghana. Ensuite, milieu gauche, il a plutôt une carte correcte, mais par contre, sa coupe n'est pas du tout correcte. Je pense qu'elle devrait être interdite en République tchèque. Ensuite, un mec qui a voulu jouer avec de la fraise, mais pas n'importe comment et pas n'importe où. Dessus, ses cheveux. Regardez pourquoi je dis ça, regardez, il a teint ses cheveux en rouge, mais que au-dessus, c'est vraiment horrible. Ensuite, un mec qui s'est mis des spaghettis dessus la tête, je n'ai pas compris pourquoi. Regardez, c'est vraiment horrible. Je le répète que c'est horrible sur tous les joueurs, mais il faut se le dire les gars, que c'est vraiment moche. Ensuite, le roi des rois de cette équipe, qui a la plus moche coupe de cette équipe, c'est lui. Regardez pourquoi. Ce mec en fait, il fait les choses à moitié, tu vois. Lui il a fait sa coupe de cheveux, mais que à moitié, tu vois. Il a coupé que le côté droit, mais le côté gauche on n'a rien à faire. Il a laissé comme que c'était. C'est vraiment horrible. Donc les gars, pour voir si cette équipe a les meilleurs sur le terrain que en coiffure, on va faire directement un match pour voir comment ça se passe. Allez, c'est parti. A few moments later. C'est pas grave. Je vais m'en remettre. Non, mais non, tu vas pas m'avoir comme ça. Mais non, mais toi, t'es un dingue. Mais ouais, mais comment veux-tu gagner? Oh, il est absent. Non, il est pas absent. Oh oui. Mais non. Mais comment t'as fait pour rater ça, putain? Coupe-toi les cheveux, c'est normal que t'as pas pu cadrer. Oh oui. Oh putain, l'arbitre est raciste des cheveux de mec quand il était Piero. Pourquoi cette action d'ailleurs? Oh non. Oh Perrin. Oh là, on a eu chaud. Oh oui. Oh putain. Oh j'ai eu peur. Comment elle a fait pour rater ça? Attends, là je suis choqué et j'ai eu trop peur en vrai. Je me dis, oh non, j'ai pas réussi à la voir. Oh là là, il m'a fait peur. Bon les gars, 1-1, on revient au score d'une façon assez bizarre, on peut se le dire. Tu pars en vitesse, t'essayes, tu réussis. Faute. Peut-être carton rouge, ça serait plutôt pas mal pour nous. On va voir. Allez, dépêche-toi l'arbitre là, putain. Carton jaune, ok, ça va, je me contente de ça. On va passer à lui. Oh oui. Putain, mais les gars, vous êtes sérieux là? Je sais que vous êtes des cartes bronze, mais même, vous êtes tout seul devant le but là. Ah non, direct non. Ça. Ah non, là, il n'y a pas de suspense, là, je dis non direct. Non, mais non, il y a faute, ça, c'est pas mal. Petit coup franc, là. On va voir qui peut le tirer. Alors, oh, putain, il y a des stats de merde. Bon, bah, il n'y a pas le choix. Hein. Oh, j'y ai cru. Oh, la vachette. Allez. Oh, mais putain, en vrai, je vous jure, les gars. C'est difficile de gagner avec cette équipe, vu que... Voilà.
Vu que tout simplement, j'ai moins de 50 de collectif avec cette équipe. Oh oui. Oh, il y a faute, monsieur arbitre. Yes. On peut peut-être égaliser, là. Heureusement pour lui qu'il a mis quelqu'un dessus la ligne. Ouais, le public qui danse, mais niquez vos races. Je suis chez moi, il y a le public qui danse, non mais sérieusement. Bref les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Bref les amis, c'est Kekso, allez, ciao tout le monde.